Moi, c'est le pasteur David Marie, le pasteur principal et aussi le président de DM Ministries. Il y a une autre ligue qui m'a apprécié dans la Bible, c'est le roi David. Mais c'est une ligue royale, la Bible déclarée. Encourage-toi afin que réellement tu es capable de découvrir cette personne. Afin que réellement tu es capable de découvrir que l'Esprit bon Dieu est là pour toi. Dieu dit Dieu plutôt, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Écoute ça bien. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Alors, prends juste la Bible avec Zut rapidement. Je partage la parole de Dieu avec Zut. Comment je finis Dieu nous peut cause le quatre qui choses qui nous sont capables et par comment nous capables d'être épanouis dans le service de Dieu, dans le travail de Dieu. Ce soir, je peux adresser moi à une servante, serviteur de Dieu, à quelqu'un qui aspire au ministère, à quelqu'un qui a un désir pour servir bon Dieu. Je vais dire servir bon Dieu pas nécessairement dans les cinq ministères. Servir bon Dieu, il y a mille façons, combien de façons, beaucoup de façons qui sont capables de faire pour servir bon Dieu. Amen, amen. Et ce soir, je encourage toi avec cet enseignement. Nous finissons que je l'ai dit. Ce qui apparaît sur YouTube, je vous trouve l'enseignement là, le YouTube, ce premier partie et deuxième partie, nous pouvons faire maintenant. Et me demande toi, tu connais quelqu'un, un frère, sœur, partage cela avec lui parce qu'il est là pour être une bénédiction pour toi. Amen. Je vais lire dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15. Amen. Invitez s'il vous plaît, nous sommes capables de partager dans un groupe. Nous partager nos accounts, peu importe. Mettez-le dans message, dans WhatsApp, Instagram, peu importe tout ce qui est là. Partage vidéo là, live là, s'il vous plaît, mon compte de contribution. Parce que je suis là pour être une bénédiction. Amen, amen. Je crois que c'est une joie pour vous quand je peux partager mon live. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15. Je peux lire aussi le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Écoute ça bien. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Je te dis ensemble avec moi, éprouvé. Éprouvé. Amen. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Et le verset 16 dit, évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avant seront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Alors, ici, il y a un mot qui finit vraiment impacter la vie, qui finit tout le temps faire moi marche dans la crainte de Dieu, dans le service, qui me les partage avec toi. C'est ça un mot qui lui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Je te connais dans cet instant qui nous était. Aujourd'hui, le service de Dieu, beaucoup de personnes peuvent. Nous comptons qu'il y en a beaucoup de servantes, serviteurs de Dieu qui peuvent join le sacerdoce, comment nous sommes capables de dire, ou pour soi qui peuvent vivre un serviteur. Mais
li pas dire aussi d'impossible, mais li des fois les rend pour qu'il nous trouve une personne est éprouvée. OK, qu'est-ce que ça veut dire être éprouvé? Premièrement, définition qui m'a fait étudier le mot éprouvé, côté là bon Dieu peut causer, côté là Paul peut causer avec Timothée, c'est premièrement c'est vérification de la valeur. Vérification, est-ce que réellement, quand tu peux servir bon Dieu, quand tu peux venir devant bon Dieu, tu as la valeur, comprends ça bien, la valeur, la qualité, ok, pour qu'il ne soit pas faire les choses. Comprends-moi, nous a fait bien, et pour autant, mon frère, mon sœur, nous tous, nous avons une grande valeur devant bon Dieu, peine à sortir de là. Ou avec moi, nous tous, nous avons une grande valeur devant Dieu, bon Dieu. C'est sûr. Mais ici, nous trouvons que Paul peut causer avec Timothée, il dit efforce-toi, ça veut dire pas être à l'aise. Efforce-toi quand tu es présent devant mon Dieu, quand tu peux servir, quand tu peux faire le travail du ministère, peu importe, fais-le, ok, avec une vérification. Je connais, arrivé à un certain moment, je finis de rencontrer beaucoup de personnes qui finissent bien commencer l'œuvre de Dieu. Des fois, quand nous trouvons ce temps-là sur Facebook, nous trouvons ce temps pour chanter, pour adorer, pour prêcher, etc. Mais à un certain moment, nous trouvons ce temps disparaître. Qui fait, je pas fin God. Je te les quitte en bonne santé, premièrement. Je tiens les yeux à être découragé, deuxièmement. Et après, qui finit d'arriver, je pas fin tout le temps présent Dieu devant le Seigneur. Arrive à un certain moment, Seigneur, est-ce que je vous dis, mon père, prêcher, mon père, servir toi? Est-ce que mon corps est toujours et dans sa valeur, qui t'ont envie, me servir dans la façon. Comprends-moi bien. Je ne peux pas dire que vous êtes dans la valeur. Non. Je peux dire que quand vous pouvez servir, vous pouvez être une personne de qualité. Deuxième chose. Une personne de quoi? De qualité. Dans la vie de sanctification, dans la vie de prière, dans la vie de l'amour, dans la mosse avec Dieu, dans la mosse avec le Saint-Esprit, est-ce qui ou encore est dans sa valeur là? Vous connaissez aujourd'hui qui fait nous pénasser l'impact. Je vais mettre ici là-dedans. Nous pénasser l'impact dans le ministère. Nous trouve un homme, un jeune homme de 30 ans comme Jésus finit dans l'impact de ce ministère seulement 3 ans sur cette terre. Pour quelle raison? Parce qu'il finit tout le temps être mettre lui-même. Tous les matins à l'aube devant Dieu, Seigneur, est-ce qui soit mon besoin pardonner, mon besoin relâcher, mon besoin repentir, mon besoin jeûner, mon besoin prier, mon besoin et dans cette inquiétude, mon besoin arrêter, dans cette inquiétude qui mon besoin faire, et dans cette inquiétude qui mon pas peut faire, mon besoin faire, et dans cette inquiétude qui capable mon peut faire, mon besoin arrêter faire. Et là, Paul pécose avec Timothée, il dit efforce-toi, bien-aimé, première inquiétude, une inquiétude qui est bien importante. Quand vous présente devant mon Dieu, ou bien pas présent devant mon Dieu, qui vous peut rougir. Ah Seigneur, te connais. Je connais ça péché. Ah, mais mon frère, Seigneur, je connais, Seigneur, ça. Je ne parle pas le prêcher le roule là, je ne parle pas l'enseigner le roule là, mais seulement mon frère. Non, bien aimé, nous devons arriver à un niveau de maturité. Comprends ça bien. Nous devons arriver à un niveau pour qui les corps de Christ font bien. Qui fait aujourd'hui nous trouve, bon, c'est tout qu'il a, bon, pour cause aux vêtements, chaque personne vit une quitture dans sur la vie. De mal, soit avec l'église, soit avec un homme de Dieu, soit avec une femme de Dieu, soit avec un pasteur, un prophète, un apôtre, peu importe. Il me dit, ah, non. Qui fait? Parce qu'il, à chaque fois, à chaque moment, qui nous supposément besoin, check nous-mêmes, check nos propres la vie, check si vraiment nous pouvons rougir devant Dieu. Je connais quand bon Dieu un jour finit de dire moi ça, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de servantes, serviteurs. Je peux rougir devant Dieu. Je te connais qui sait cette chose-là, pas bon. Je te connais qui garde la haine, fait palabre, raconte ragot, porte ban jugement. L'eau ban homme de Dieu cause, ban frère, ban sœur en mal. Je te connais ça, pas bon, mais je te peux continuer à faire. Et c'est ça qui pardonne l'impact dans le ministère. Laisse-moi dire, on doit faire au-delà d'un ministère où on peut servir Jésus. Au-delà de ce qui on peut servir l'église, on peut bien habiller, costume, cravate, peu importe foulard, peu importe qui on est capable de faire.
ou peut servir Jésus. Et laisse-moi dire une affaire, ou capable populaire dans l'église, mais ou pas populaire devant le trône de la grâce. Ou capable populaire dans l'église, ou capable être respecté dans l'église, mais ou pas être respecté devant le trône de Dieu. Ou capable être comment appeler ça, peut prophétiser dans l'église, peut servir dans l'église, être connu comme l'homme qui est dans la crainte de Dieu dans l'église, mais devant le trône de la grâce. Dieu pas reconnaître ça. Et quand on vient devant le trône de Dieu, des fois, on vient avec fantaisie. On vient avec, comment on appelle ça? Ah, Seigneur, toute la grâce, la côte le péché abonde, toute la grâce surabonde. Ça veut dire qu'arriver, nous peut venir prendre verset biblique, même pour nous venir compte, bon Dieu, pour que dimanche nous rentre dans l'église, pour que dimanche nous à l'église, pour qu'il fait, parce qu'il y a une certaine popularité dans l'église, ou une certaine popularité dans nos quartiers ou même dans région qui nous étaient. Bien aimé, une petite chose bien importante qui nous arrêtait, vint devant bon Dieu avec une mentalité de rugissement. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'une personne peut comprendre ce soir? Est-ce qu'il m'a capable d'avancer? La qualité. Est-ce que de la façon que nous commençons l'œuvre, de la façon que nous prenons responsabilité à l'église, de la façon que nous commençons à servir Dieu, peu importe la média, peu importe dans l'église, ou balayer l'église, ou nettoyer l'église, ou faire la Sainte-Seine, ou un prédicateur, ou un pasteur, ou un apôtre, ou un mot cause à tout. Est-ce que la façon que nous commençons, ou encore toujours peut maintenir ça? Ou tu commences dans la sanctification, ou tu commences dans la sanctification, ou on arrive dans le péché. Ou bien servir Dieu, mais dans le péché. Comment la Bible dit comme ça, nous peut servir à la table. Ok, certaines personnes peuvent servir à la Sainte-Seine. Mais en même temps, je peux servir à une autre la table. Ah! Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce que je veux dire? De la même façon que nous peut servir dans l'église, nous peut servir, nous peut faire visite. Mais à la maison, nous peut comporter nous mal. À la maison, on a une femme qui est désobéissante, on a une femme qui n'est pas soumise, mais dans l'église, nous soumettons à nos pasteurs. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce que je veux dire ici ce soir? À la maison, tu as une femme qui trompe ta femme, tu as un mari qui trompe ta femme, et à la maison, tu as un enfant qui est désobéissant à tes parents, mais à l'église, tu peux trapper micro, I worship you, Jesus. Et à la maison, tu as quelqu'un qui peut get man film qui n'est pas bizarre, mais à l'église, tu peux comporter toi comme une personne pieuse, tu peux comporter comme une personne sainte. À la maison, tu peux comporter te désobéissant. À la maison, tu peux pas prier, tu peux pas consacrer. Mais à l'église, quand tu mets ton costume, ton linge sur toi, tout le monde vient respecter toi. Bien aimé, une petite chose qui vraiment m'a l'importance avec Zut, quand il y a personne pour dire, pasteur, c'est que vous pouvez dire là, bien fort, bien puissant. Non, bien aimé, je peux cause à ma servante, à ma serviteur de Dieu. Nous avons envie de réveiller dans ce pays, nous avons envie une réforme, nous avons envie de vivre un réveil. Des fois, je me trouve une personne, même là, Seigneur, moi, vive le temps avec des apôtres. Bien aimé, laisse-moi dire, on doit faire dans le temps avec des apôtres. Ananias et Saphira, finit les autres qui sont corrompus. Fin de montrer Pierre qui est censé être bien. Fin de montrer Pierre qui est censé être correct. Mais la Bible dit qu'il a mort finalement. Souvent, des fois, Seigneur, nous avons envie de vivre les temps avec des apôtres. Bien aimé, est-ce qu'il y a réellement une consécration des actes des apôtres? Nous avons envie de vivre les temps. Nous avons envie de vivre les temps apôtre Pierre, selon Bras guéri du monde. Est-ce qu'il y a réellement une le temps dans la prière aujourd'hui? Nous commençons la prière, Seigneur, me demande-toi. Et nous terminons la prière, Seigneur, me dis-toi merci. C'est tout. Nous ne pas creuser dans la prière. Nous ne pas rentrer 3 temps, 4 temps dans la prière. Non. Mais Seigneur, nous attendons un réveil dans ce pays. Bien-aimé, ce soir, mon vini, pour réveiller ta conscience. Pour faire sortir dans sa zone de rugissement. Alléluia. Pour faire sortir dans sa zone qui te rentre, qui te persiste, qui te met simplement d'un confort. Non, quitte ce confort ce soir. Quitte ce confort ce soir. Bon Dieu, peut t'en plus. Au moment qui... T'as là, moi, peux assiser, moi, peux méditer, le Saint-Esprit dit à moi, David, moi, peux attendre plus de certaines personnes qui bougent de ce live. Bon Dieu, peux attendre plus de toi. L'année 2020, malgré ce qui n'arrivait, écoute ça bien. C'est une prophétie pour une certaine personne. L'année 2020, te fait sentir toi à l'aise, vu la situation. Mais 2021, bon Dieu, peux attendre plus de toi. Ah. 2021, bon Dieu, peux attendre quoi? Plus de toi. Est-ce qu'il y a une personne capable de porter ce live, s'il vous plaît? Invité au maximum possible. Au maximum possible. Portage à la veille de mon groupe chrétien,
dans un groupe gospel, peu importe, partage-le au maximum. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il m'avait dit? Et la vie de sainteté. Et la vie de sainteté. Et la vie quand là vraiment quand tu viens de son. Je connais au moment que Jésus-Christ peut prendre baptême, la Bible qui dit le ciel fut ouvert, il finit dire c'est mon fils quoi? Bien-aimé. En qui moi met tout mot l'affection. Est-ce que quand nous venons devant bon Dieu car dit c'est mon fils bien-aimé en qui moi met tout mot l'affection. Est-ce que quand nous venons devant bon Dieu soit bon Dieu ah non libérer manifester sur l'hypocrisie encore. Libérer manifester sur l'arrogance, libérer manifester sur l'orgueil encore. Est-ce que je peux comprendre? Vous êtes écoute-moi bien. Le plus facile pour être fidèle à l'église qui est fidèle à Jésus. Il y a beaucoup de personnes pas pour comprendre ce qu'ils m'ont dit, mais c'est vrai. Le plus facile pour être fidèle à l'église, à la place qui est fidèle à Jésus. Ben, le pharisien, je suis fidèle à ce temple. Quand Jésus-Christ est venu, ok, il dit comme ça, en trois jours, je pourrais bâtir ce temple. Qui m'en a fait faire? M'en a fait prendre part le temple. Aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé. Où on veut être épanoui. L'épanouissement ne vient pas l'onction et l'onction, c'est un prix à payer. Ah. L'épanouissement ne vient pas l'onction et l'onction, il y a un prix à payer. Ou être beau, belle à l'église, mais devant Dieu, est-ce qu'il est beau? Devant Dieu, est-ce qu'il est belle? Ou pas faire cause pour une personne faible. Non, je fais cause pour une personne qui vraiment comprend ce qu'il m'a dit. Bien-aimé, il arrive le temps pour qui, souvent, des fois, me dit cela, nous devons mettre la pince spirituelle. Je connais un travail que la pince fait. Quand il y a une coulou qui nous tape, qui nous mal rentré, ou soit d'une carbossienne bout, nous devons mettre la pince et puis nous tirer. Nous devons arriver à comprendre à un certain moment, Seigneur, est-ce qu'il devant toi, mon saint, pareil comme dans l'église, mon saint? Est-ce qu'il, comprends ça bien, est-ce qu'il devant toi, mon connexion avec toi, correct? Avant qu'il dans l'église, mon père prend micro et le peuple dit waouh, le frère pour prêcher là. Ah, ça frère là, moi j'étais encore lui prêcher. Ça c'est là, moi j'étais encore lui prêcher. Non, non. Est-ce que de la même façon, les autres pègent toi de toujours être connecté à Christ? L'épanouissement dans le ministère, c'est quand tu peux servir Jésus avant, avant qu'il te servit les hommes. Moi, fin que ça dans l'école ministère, moi crois bien dans. Deuxième mois, nous commençons juillet, août, je crois, je dis ça. Jésus avant le ministère. C'est un thème que le Saint-Esprit nous a donné de moi. Jésus-Christ avant le ministère. Beaucoup peuvent servir dans le ministère sans oublier Jésus. Je te rends une fatigue. Je te rends démoralisé. Je te morale affaibli. Je te faible. Je n'ai pas rendu l'intercession. Je peux causer qu'un autre frère. Mais je n'ai pas gagné le temps pour causer avec Christ. Bien aimé, ce soir, je suis venu pour causer avec toi qui la servante serviteur de Dieu. Les temps sont venus pour qu'il te lève, toi. Les temps sont venus pour qu'il vraiment te mette la pince spirituelle. Car à un certain moment, comme la fois passée, je trouve une photo. Il y a plusieurs coulous dans un dibois. Et texte là, ok. Nous pouvons taper tout le temps le coulou qui droite et non pas un coulou qui traverse. Je vais montrer où, mon service à l'illustration là pour montrer une petite chose. Un coulou qui traverse, nous pouvons laisser. Il paraît que Manu, des fois, nous représente sa coulou là. Je vais donner un exemple, hein. Nous représente sa coulou là. Et qui est arrivé? Quand l'objectif c'est qu'il coulou là, il vient rendre du bois là. Ça c'est l'objectif. Mais Dieu n'est pas capable de taper. Je vais donner un exemple. Dieu n'est pas capable de taper tant qu'il te traverse. Quand tu viens droite, c'est là qu'il est capable d'atteindre l'objectif. Quand tu peux épanouir, tu peux épanouir quand tu marches droite. Mais tant qu'il te marche travers, Dieu n'est pas capable de faire des choses avec toi. Beaucoup de personnes m'ont fini écrire ça dans mon livre, m'ont pu lire un texte. Dans mon livre qui m'a fini écrire, servir à Dieu, qui fait bon Dieu pas qu'à servir beaucoup de personnes. Dieu n'a pas capable de servir beaucoup de personnes parce qu'il se commence bien, après je deviens travers. Je vais donner un exemple. Dieu donne nous une petite chose à faire. Vous êtes, arrête. Des fois, nous arrêtons de dire du monde qui servit bon Dieu, nous a fait facile à faire.
qui faire. Si vous dites, ah non, il est facile à faire, il est facile à faire. Du monde n'a pas pour consacrer, du monde n'a pas pour faire naonier, il n'est pas pour vivre bien, écoute-le. Il n'est pas pour être un exemple. Non. Qu'il est pour faire, il est pour vivre sur la vie normale et dans l'église, il y a un poste. Et laissez-moi dire une affaire, quand Jésus-Christ vient, bientôt, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être étonnées. Ben, personne qui est capable pas finir debout, pas finir servir la Sainte Seine, mais qui finit assisé, mais qui finit amener toute la vie bien selon la parole de Dieu qui parle ensemble avec lui. Bien aimé, ce soir, je suis venu comme une la voix pour cette génération. Une la voix pour cette génération. Cette génération, il est pour qu'il réellement nous sorte le confort qui était une zone de confort, nous quitte cela et nous aille l'avant. Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce que je veux dire? Et les temps finissent venir vraiment pour qu'il nous quitte sa zone de confort. Côté là, vraiment, nous peut servir dans l'église, nous peut servir la Sainte-Seine, nous peut faire tout. Mais nous pas vraiment de serviteur de Dieu. Écoute-moi bien. Le Nouveau Testament décrit servante, serviteur, apôtre, peu importe, comment un quelqu'un, comment Paul dit comme ça, moi un esclave en Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie de rester dans le confort. Je n'ai pas parlé qui je te confort. Lundi, nous habitué faire ça, nous pouvons continuer à faire ça, mardi ça, mercredi ça, 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 c'est dur. Mais une petite chose qui m'a trouvé, qui fait nous trouver beaucoup de personnes dans un lieu de confort. Mon narcissisme, mon étudiant un petit peu, dans les circonstances. Mon narcissisme, dans les personnes qui demandent moi qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Mon arrivé à comprendre une petite chose. Souvent, des fois, nous pas qu'on protège nos oreilles. Vous connaissez mon objet, on a fait bien important. Des fois, nous finissons perdre l'objectif pour lequel Dieu finit appelé nous à l'église. Nous finissons perdre l'objectif pour lequel Dieu donne nous un commandement de nous à l'église. Nous à l'église pour quelle raison? Pour être édifié, pour adorer. Pardon, bon Dieu, de toutes les façons, nous la dîme, l'offrande, sacrifice d'élèves, louange, adoration, une communion fraternelle, etc. Mais souvent, des fois, bien aimé, la Bible pas dit à nous à l'église, pour la cause, nos camarades, pour l'église, pour médire, pour dire, qu'est-ce que ça, comment on a habillé, qu'est-ce que ça, et c'est là qui tout le temps me dit, nous-mêmes nous donnons accès à l'ennemi rentre dans l'église. C'est pas que l'ennemi a envie de rentrer. Nous-mêmes qui des fois donnent accès à l'ennemi, à le diable rentre dans l'église. Qui fait? Pour nous la bouche et pour nos oreilles. Bien aimé, tout le temps, on dit ça. Mes oreilles, il n'y a pas une poubelle. Non. À chaque fois comme à l'église, je comprends quelque chose. Mes oreilles, bisent 100% avec la parole de Dieu. À part ça, nous joignons comme une fraternelle, nous prenons déjeuner ensemble, nous faisons une sauce, etc. Mais du moment qu'il me trouve un kiken, venez comment je cause une petite chose négative avec moi, mon frère, monsieur, excuse-moi. C'est pas l'objectif, je ne vais pas finir de quitter la case. Comprends ça bien, mon frère, monsieur. Je ne vais pas finir de quitter la case pour venir là, pour écouter qu'il les autres pas bon. Pour écouter qui ça n'en a pas bon. Pour écouter qui parce qu'il y a un problème. Pour écouter. Non, mon vini, pour écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce soir? Bien aimé, je m'aurais dit, les temps finissent venir pour qu'il le réveil pour venir à l'île Maurice quand nous comprenons ces choses. Quand nous comprenons ça, nous bisons sans. Bien aimé, aujourd'hui, nous tout penser, nous pas fait. Toute l'église pensait, moi, mon bon, moi, mon congrégation correcte, moi, mon église, ça va, moi, mon bannement correct, moi. Jamais nous prenons des sujets. Laisse-nous repentir. Ce qui ne peut faire pas bon. Ce qui ne peut faire pas bon. Ce qui ne peut faire pas bon. Laisse qui vraiment nous repentir. Bien aimé, écoute-moi bien. Qui s'en a qui peut se réveiller vini? C'est nous. Qui fait réveiller papa vini? C'est nous. Comprends ce que je peux dire. Qui fait réveiller papa vini? C'est nous. Chacun peut critiquer l'autre. Non. Comment on se trouve dans nous-mêmes? Est-ce qu'il y a une personne qui peut être bénie ce soir? Vine devant bon Dieu éprouvé. Moi, je tout le temps conseille cela. Si ou même tous les jours, avant que vous dites, moi, servi l'homme de Dieu, avant que moi, servi un homme, un pasteur, un frère, peu importe visite, peu importe qui ou travaille ou faire, Seigneur, moi,
chose. Après où aller. Après où aller faire le travail de Dieu. Moi, c'est où qui réveille pour arriver. Bien aimé, le réveil n'est pas capable de vivre dans cette église. Le réveil n'est pas capable. C'est des fois, me toucher là. Réveil vivre dans cette église. Non. Réveil vivre dans un pays. Étudier l'histoire du réveil. Il vit dans un pays. Il y a réveillé là-bas. Il a réveillé là-bas. Il a réveillé ici. Ça, c'est mentalité. Le intérêt. Non, réveil vient d'un pays. Et pour qui réveil vient de ce pays, bien énormément de serviteurs, servantes qui comparaissent devant Dieu. Dieu dit à moi, prouve cet homme, moi prouve cette femme. Alléluia. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Mais ce qui bon Dieu peut trouver cela aujourd'hui? Qui fait bon Dieu capable, pas capable d'avoir un réveil? Parce que s'il y a un réveil maintenant, il n'y a pas de personne qui peut rougir devant le trône de la grâce. Si Dieu a voulu un réveil maintenant, il n'y a pas de personne qui peut vivre dans la consécration. Devant Dieu, je ne suis pas populaire, mais à l'église, je suis populaire. Ah. Devant Dieu, je ne suis pas moche de la sainteté, mais dans l'église, quand je suis tout le temps devant, c'est je suis populaire. Non, bien aimé. Les temps finissent venir pour qu'ils réellement nous comprennent c'est quoi réveiller. Réveiller pas pour venir dans l'église, dans mon église, dans seule église, dans seule église. Non, réveiller bien venir dans le pays entier. C'est pour ceux-là qui se sont venus pour annoncer une parole à une servante, serviteur, mon frère, mon sœur, ou pas appartenir à aucune église, ou appartenir à l'église de Jésus-Christ. Écoute ce qui m'a dit, ou respecter l'homme de Dieu, ou respecter au père spirituel, ou respecter au mentor, qui Dieu finit tablé ou berger, oui, mais ou pas appartenir à aucune église. Quand ou, m'aurait dit ça bien, quand ou papa mange de la sanctification, ou puis on peut se réveiller vine pour l'île Maurice. Quand moi, mon papa mange de la sanctification, ou puis on peut se réveiller vine dans l'île Maurice. Quand lui, papa mange de la sanctification, et puis on peut se réveiller vine dans l'île Maurice. C'est pour cela que l'île Maurice est bien élevée, mange ensemble dans la sainteté. C'est là qu'il réveille pour entrer. C'est pas comme on critique le talent. Ah, tu as tout ça en doctrine, tu as tout ça en doctrine, tu as tout ça en façon billet, tu as tout ça en qui peut faire. Ça n'a pas servi de l'eau, l'autre a pas servi de l'huile, l'autre a pas fait ici, l'autre a pas fait là-bas. Non. C'est quand nous tous nous arrivons à comprendre qui fait réveiller par venir parce qu'il moi. C'est un sac servant de serviteur de Dieu dans toutes les églises. Comment se lever dire? Qui m'obligeait examiner mon avis, m'obligeait qu'il était si vraiment devant Dieu, moi t'as prouvé. C'est là qui bon Dieu capable d'accord, dire ok, moi vous y en rêver. Et tu dis bien aimé, rêver qui finit arriver dans ben, l'année 1800, ben a fini prier pendant combien de jours. C'est là que notre oreille commence à pousser, notre les pieds pousser, notre qui fait parce que la repentance. Mais bien aimé, est-ce qu'il nous encore garde l'objectif? L'objectif pour laquelle? L'objectif pour raison? L'objectif pour laquelle bon Dieu peut dire à l'église? Ou ça ne finit pas dit cela? Bien aimé, arrivé à un certain moment, je les porte à ça avec Dieu. Moi, tu peux servir un homme de Dieu. Moi, tu es connu dans l'église. Servi dans l'église extraordinairement. Mais dans mon cœur, moi, pas te connecter à Dieu. Moi, tu peux servir là tout le temps avec l'homme de Dieu, soit sur la Bible, soit sur serviette, là, donne-lui ce bois, donne-lui ce manger, bien là où. Mais dans mon cœur, on ne peut pas te connecter avec Jésus. Et c'est ce moment-là qui me tient ce message. Un jour, je vais prier, je me rappelle la case là-haut. Moi, je dis, David, tu es connu dans l'église, mais tu n'es pas connu devant moi. Quand ça va un moment, tu peux sacrifier. Énergie du matin, tu sors de la case, tu peux monter de la case là-haut pour te prier, pour te chercher ma face. Quand ça diffère, tu es dans toi là. Aujourd'hui, tu te donnes l'autre pédier, l'autre pécose ici, l'autre pécose là-bas, l'autre pédier ça. Bien aimé, ce n'est plus les temps pour qui nous fait l'église, vine une caverne de voleurs. Pour qui nous fait l'église, vine un club, côté là, palab, palab, palab. Ce n'est plus les temps. Là, c'est le temps pour qu'il réellement, quand nous rentre de l'église, nous aurons juste pour la prédication. Bien aimé, chaque homme de Dieu prépare environ 52 messages par an. Est-ce qu'il réellement 52 messages, qu'il les fait 52 messages faire de nous la vie? Nous ne pas compte mercredi, nous ne pas compte vendredi. Et qui les fait ce message-là fait? Est-ce que je connais chaque message? C'est la bouche de Dieu, la parole de Dieu qui peut dire. Mais ce qui fait 52 messages par faire les faits de nous la vie? Qui fait 52 fois 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas fait aucun effet. Parce qu'il nous peine à une bonne oreille pour écouter. Est-ce qu'il y a une personne qui peut être bénie ce soir? Nous peine à une bonne oreille pour écouter. Bien aimé, quand nous prenons une bonne oreille pour écouter, c'est là qui le réveille pour venir.
C'est là que nous pouvons bon Dieu amener une réforme. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une stratégie humaine, nous pouvons avoir une fédération humaine, nous pouvons avoir un principe humain pour m'enroder, guetter, moi filié avec toi, toi filié avec moi. Nous pouvons ça. Qui fait, hein? N'oubliez. La Bible cause clair là, là, c'est seulement le Saint-Esprit. Nous pouvons seulement un guet s'attourner, nous pouvons faire ça. En janvier, nous faisons ça. Là, décembre, nous faisons ça. Bien, le peuple pour content. Non. Stratégie de la Bible. Nous pouvons avoir une stratégie. Nous pouvons joindre pas le côté. Nous trouvons là-bas et joindre pas ici. Juste pour redonner pour bâtir le corps de Christ. Nous bâtir le corps de Christ sans Christ dans la vie. Impossible. Nous devons bâtir le corps de Christ avec Christ. Celle qui chose qui peut amener un réveil, c'est pas moi la force, c'est pas mon message, c'est pas mon jeûne. Non, non, c'est quand nous commençons à me dire, non, ben, Seigneur, pardonne-nous. Mon envie vraiment revient vers toi. Est-ce qu'il y a une personne qui peut être bénie ce soir? Bien important, vous êtes. Bien important. Nous devons arriver à comprendre quelque chose. L'épanouissement pour venir de la consécration. La Bible dit comme ça, le Saint-Esprit qui est arrivé, l'Esprit a juste banzam à l'église. Aujourd'hui, qui fait l'église peut être grandi. Bon, Dieu a la raison. Pas de publicité qui nous fait. Vous mettez, quand on peut faire comme ça, du monde peut tomber. Alors, quand les autres trouvent ça, on a besoin là-bas. Vous trouvez, on peut donner le numéro de téléphone, on peut donner le numéro soulier, on peut donner le numéro loto. Et quand du monde trouve ça, moi l'église. Mais ce qui du monde peut venir à l'église à cause de Christ? Est-ce que les autres peuvent venir à l'église à cause de Christ, bien-aimé? Les temps vraiment invinés pour qu'ils nous retournent à la parole de Dieu. Retourne à la base. Aujourd'hui, comme on prépare, moi prie, mais Seigneur, dis-moi, qui m'a besoin d'annoncer ton peuple? Qui s'en met ça au-delà de 35 minutes, 40 minutes? C'est une prophétie pour l'île Maurice. Mesdames, les temps finis, venir, je te quitte là ce soir. Moi, les temps pour qui nous concentrer seulement sur la prophétie, seulement sur les miracles, seulement sur les prophéties, seulement, ah, can I prophesy? Can I prophesy? The prophet of Mauritius, bien-aimé, ne plie les temps pour tout ça là. N'est plus les temps pour tout ça. Les temps, in vini, maintenant, pour qu'il réellement n'amène pas l'enfant de Dieu vers Christ. Me dire tout le temps qui se, écoute-moi bien. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup qui amènent à la chrétienté, juste à cause d'une prophétie. Est-ce qu'à cause de prophétie, nous amène à la chrétienté? Est-ce qu'à cause où fin donne le numéro ce soulier, 45, numéro de téléphone? Quelle bêtise. Non, dis-lui ce que bon Dieu veut dire. Si Dieu ne dit pas répandu, tu te répandis. C'est ça. Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce qu'il veut dire? Servante, serviteur de Dieu, il lève vraiment pour qu'il nous retire un petit nous-mêmes. Nous connus dans l'île Maurice, mais nous pas connus devant Dieu. Celui ou celle qui est connu devant Dieu, il a beaucoup d'efforts qu'il va vous faire. Il y a beaucoup d'efforts qu'il n'est pas pour faire. Celui ou celle qui est connu devant Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il connaît qu'il faire. La Bible dit que le Saint-Esprit ajouta. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Ajoute le membre à l'église. Est-ce qu'il y a une stratégie? Pierre qui finit de faire Pierre, un coup de prêcher qui a 3000 ans? Non. C'est l'impact de l'Esprit là sur la vie. Quand l'impact de l'Esprit là sur la vie, c'est l'air là qui, quand il finit de prêcher, 3000 ans, est sauvé. Plus beaucoup de stratégie qui l'onction, plus beaucoup de stratégie qui consécration, plus beaucoup de marketing qui l'onction, plus beaucoup vue. Je connais, bon, vous dites juste une affaire, merci Saint-Esprit. Quand le matin, je peux prier, le Saint-Esprit montre moi un qui te dit, moi David Mollet qui te dit ça ce soir. Plus beaucoup de views qui conversion. Aujourd'hui, là, la continuité. Ah, nous, 10 000 views, 50 000 views, 80 000, 70 000, 1,2 million. Waouh! Conversion? Zéro. Zéro.
de l'écart Christ, zéro. Beauté, waouh. Organisation, waouh. Conversion, zéro. Bien aimé, les temps finis, m'ont redit encore une fois. Pour qu'il nous quitte, manquitueuse fable, manquitueuse éphémère. Manquitueuse fable, manquitueuse éphémère. Ou views en jour pour. Aujourd'hui, je vais gagner comme 3 000, 5 000, 20 000, 25 000 views après. Parce que ça veut dire qu'il va être approuvé devant Dieu. Moi, je te connais avant, quand tu commences ce ministère, arrive le moment où je commence à trouver views baisser. Je me dis, ah, Seigneur, je prie, Seigneur, Seigneur. Un jour, le Saint-Esprit réprimande moi. C'est moi qui te plie content. Une conversion ou 200 views. Une conversion ou 500 views. Le Saint-Esprit me pose moi la question. David, qui te plie content? Est-ce qu'il te content 500 views ou une conversion à Christ? Qui te plie content? Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ soit 1,2 million views. C'est là qu'il nous commence à trouver besoin de nous créer un mouvement, nous créer un programme, et spécialement pour nous gagner views. L'église de l'île Maurice. Voici ce qui bon Dieu peut dire à toi. Arrête de concentrer nos views. Concentrer, amène du monde à Christ. Elle n'a plus beaucoup de views. Ou trouve une église où Dieu, ah, ou connaît le pasteur David, il y a tant de views. Parce que ça veut dire que bon Dieu peut servir. Elle n'a plus beaucoup de views. Parce que ça veut dire que Dieu est avec toi. Elle n'a plus beaucoup de views. Ou plus beauté. Ou l'organisation plus sérieux. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Non. La conversion de la parole de Dieu. Comment une fois un homme de Dieu finit dire moi, David, tu as une tâche sur le plus spirituel. Est-ce qu'il y a une tâche sur le plus spirituel? Pas de battement, et c'est vrai. Quand ça prophète là finit dire moi ça, moi finit tout le temps grand soir, dis-moi, pas de battement, toi. Pas de prospérer dans la troisième voiture, quatrième voiture, belle belle la case. Non, tâche sur le plus spirituel. Le Dieu de ce siècle aussi béni. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce soir? Est-ce qu'il y a une servante, serviteur de Dieu qui peut être béni? Bien aimé, n'a pas limite nous avec la prospérité, s'il vous plaît. N'a pas limite. Non. La prospérité font partie du salut. Ils font partie du salut. Oui, ils font partie du salut. Mais après, être béni sur la terre, il y a une place pour aller. Après être béni ici, nous n'avons place pour aller. Après être béni sur la terre, nous n'avons place pour aller. M'aurait dit, après être béni sur la terre, nous n'avons place pour aller. Après être béni sur la terre, nous n'avons place pour aller. Après être béni pour aller. Bien aimé, est-ce que je te connais comme une personne pour être choqué, pour gagner un léquer arrêté quand Jésus pourrait tourner? Seigneur, moi qui ne sache démon ton nom, papa, moi qui finis 30 000 vues. Moi qui n'ai pas 17 000 vues, moi qui n'ai pas commis des péchés qu'il est, bancaire, etc. Oui. Why? Pour quelle raison? Parce que je t'ai venu devant mon Dieu avec un léquier rouge. Ah Seigneur, te bonté, papa. Seigneur, te la grâce, Seigneur. Nous dans le temps de la grâce là. Est-ce qu'il y a une personne béni ce soir? Moi pour arrêter la même mercredi prochain, moi pour continuer un dernier parce qu'il est fin avancé. Et ce soir moi les encourage tout bonne servante serviteur, moi connais qu'il y a beaucoup de personnes occupées vu qu'il nous la fin du mois, etc. S'il vous plaît donne-je un temps pour guetter sa vidéo là. Et bon courage tout qui peut connecter avec ce live, s'il vous plaît porte à ça avec un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, peu importe. Moi crois que ça message là c'est la voix de Dieu pour cette nation. La voix de Dieu pour l'île Maurice en ce temps. Merci. Amen. Alors, mon courage pour porter à Saint-Guiquen. Cette vidéo-là, regarde-la, nous pouvons aller dans YouTube. Et là, nous allons avancer. Est-ce qu'une personne peut comprendre ce que bon Dieu nous a dit ce soir? Laisse-nous prier un moment. Père, au nom de Jésus ce soir. Père, nous venons devant toi, Seigneur, comme une seule nation. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous demandons la grâce, Seigneur, sur ce pays. Nous demandons ta bonté, Seigneur, sur ce pays, Père. Seigneur, fais-nous comprendre que réellement, Seigneur, nous avons changé de position. Retourne à la repentance. Et Seigneur, à partir de cela, nous sommes capables de servir toi comme nous avons servi.
Seigneur, ce soir, moi, je donne-toi la gloire. Moi, je donne-toi l'honneur, la puissance, Seigneur. Tu mérites la louange, Jésus-Christ, la main de l'homme. Seigneur, amène-nous à comprendre. Là, côté d'une servante, une serviteur ce soir, Père. Là, côté d'un homme de Dieu, une femme de Dieu. Si arrivé, Seigneur, vraiment, il peut vivre rougir devant Dieu, qui arrête de vivre dans cet état. Qu'il vienne un homme, une femme éprouvée de qualité, de la valeur dans ce qu'il fait pour Dieu. Avec un liqueur sincère, avec un liqueur de sainteté, de consécration pour servir à Dieu. Seigneur, moi bénis l'île Maurice, moi bénis chaque église, chaque dénomination, chaque pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, peu importe quand il trouve, quand il est situé dans ce pays, moi bénis ce ministère, moi bénis cette église, cette congrégation. Seigneur, moi demande-toi, Père, amène un réel réveil dans ce pays. Un réveil qui peut impacter la génération. De même qu'en 1968, Seigneur, quand ta parole fait une vie dans ce pays, il y a un réveil extraordinaire. Qui fait un homme qui fait une descente sur cette île avec l'onction. Pas d'envie d'être views, pas d'envie d'être modèle, pas d'envie d'être X, Y, Z, mais fin d'être envie, Seigneur, pour tant de paroles et pour prêcher la vérité de la parole. Père, glorifie ton nom ce soir dans ce pays. Me lève l'île Maurice devant toi. Me demande-toi, Seigneur, pardonne ce pays. Quand là, nous, bonhomme de Dieu, nous finissons faillir. Nous passons le temps, prêche les autres. Prêcher contre les autres. Faire une intervention contre les autres. À la place, prêche ta parole. Seigneur, ramène les cœurs des hommes de Dieu. Ta parole, Dieu, dans les derniers temps, Seigneur, dans Jérémie, te pour ramène ban pasteur de ban zil lointain. Père, amène les hommes de Dieu dans cette île. Élève une génération, Seigneur, qui pour prendre soin comme a besoin prendre soin, Père. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, me glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Alors, maintenant, pour qu'ils soient capables de soutenir nous. Soutenir nous par la prière, par le jeûne. Soutenir nous avec un verset biblique, un encouragement. Vous êtes nous bien, encouragez-nous les uns les autres. Et aussi, un affaire bien important, vous êtes capables d'encourager nous avec ce don. Financièrement, vous êtes capables d'encourager nous parce que nous, là, nous pouvons faire un don, ok, de tous les cœurs afin que ce ministère-là capable d'aller de l'avant. Alors, je crois vraiment mon assurance que ce message-là pour bénir toi et pour bénir deux générations qui vont Dieu de bénir à mon âme.